Il dit un homme d'aujourd'hui qui est conscient, qui est lucide, qui ne vit pas dans un village reculé, qui n'est pas enfermé dans un petit bonheur, qui ne vit pas dans la sécurisation, ne peut pas ne pas éprouver un sentiment de panique. Nous vivons dans l'imminence de la catastrophe. Le problème, dit-il, c'est que la catastrophe, pour qu'elle nous soit une leçon, pour que nous arrêtions cette machine lancée, de cette mobilisation infinie qu'est le capitalisme en réalité, qui est l'accroissement du capital, infini du capital, il faudrait que la menace soit un enseignement. Pour ça, il faudrait qu'elle ait lieu, donc il ne resterait plus rien. Un rapport esthétique est présent au monde à ce qui va arriver, à l'immédiateté de ce qui surgit de l'événement. Oh, I'm
Thank you.
mais il faut avouer que être humble, le dire, s'engager, toujours déjà dans un mouvement qui a le caractère d'un projet. Il y a bien sûr, il y a les anti-moderns et les critiques de la modernité qui refusent ce caractère de projet qui prône la base. Chaque autre version d'un mouvement non régulier. Mais pour la majorité des modernes, il est clair que l'être là, fondamentalement,